Bon alors, si on fait le point, on a un commandant à questionner. On a un commandant à questionner, disais-je. On a Barlavonne à aller voir, l'homme du quartier de l'ombre, et aller à la clinique. Qu'est-ce que vous diriez d'aller voir Barlavonne? Ce serait un bon plan, non? On va aller parler à Barlavonne. Je crois avoir vu son bureau pas très loin des quartiers de la Favorite. Ouais, je crois que c'est ici. Je crois que c'est ça, oui. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact? Ouais. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'aime pas les étrangers qui croient tout savoir de moi. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavonne. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur Saren? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre, et je sais quelque chose sur Saren. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec Saren en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble, jusqu'à ce que Saren le trahisse. Saren l'a trahi? Quelle surprise! Quoi que vous pensiez, Saren n'est pas stupide. Il sait que le courtier de l'ombre est un allié de valeur. Cette trahison n'a pas de sens, à moins qu'il y ait un enjeu autrement plus gros derrière tout cela. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème, un mercenaire Krogan. C'est pas le fameux mercenaire qui s'en prenait à fille. Il me semble que je le connais. Il s'appelle Vrex. Oui, je crois que c'est lui. J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité de la Citadelle. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'Académie. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC? Si, mais je doute qu'il ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer, si vous voulez en savoir plus. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance. Mais mon véritable fond de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend aux plus offrants des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer, et personne n'obtient l'avantage décisif. Vous avez une idée de son identité? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourrait-il gérer autant de contacts en même temps? Comment pourrait-il obtenir et distiller autant d'informations? C'est une organisation au rouage parfaitement huilé. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Je pensais que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Très aimable. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Alors, quoi? SSC ou la clinique du docteur Michel? Vous me laissez me débrouiller avec ça. D'accord. C'est un choix. J'ai bien envie d'essayer la clinique du docteur Michel. Voyons où est-ce qu'on trouve un
un transporteur ici. Je crois qu'il y a un secteur, peut-être. L'infirmerie, ça doit être ça. Ouais, encore un veilleur. Avant, une chose que je veux regarder. Ouais, j'ai 3 points. Formation d'assaut. Ashley a 2 points. On va lui mettre l'armure de combat. Et fusil d'assaut. Et Kaidan qui est plus symbiotique. Continue à lui monter autant que possible son décryptage. Et lui aussi pourra soigner les membres du clan. En équipement, je crois pas qu'on ait grand chose. Hein, si on peut tout prendre. Ouais. Fusil à pompe. Là c'est vide. Là c'est vide. Voilà, pas de mode. Pareil pour Kaidan. Pistolet. J'ai pas de mode pour pistolet non plus. Bon ben, l'armure. Ashley non plus, n'a pas le. On peut pas lui mettre ses armures. D'accord, bon, on laisse tomber. Et allons voir cette. Ça doit être ici. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon. Qui c'est ça? Laisse-la. Oui. Il va prendre des risques, lui. Les gens là. Et lui, il va se prendre une charge. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel, grâce à vous. Vous êtes inconscient, vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas. Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé, mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne. Fist? Encore lui? Mais c'est quoi cette Carienne? Quelle Carienne? Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Poursuivez. Oui. Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Une preuve, éventuellement. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la Carienne a parlé de sa reine ou des guettes? Oui, les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Ouais, il faut la trouver. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Vous avez l'air motivé. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu.
Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. Bon coup. On y va. Alors là, on arrive à un moment intéressant, c'est que on va pouvoir choisir son commando comme on veut. Donc, on sélectionne. Voilà. Et cette fois, effectivement, j'ai deux guerriers assez costauds avec moi. Essayer de trouver la route pour aller jusqu'au SSC. Justement, avant d'aller faire ça, voilà, il y a 10 points. Alors, globalement, monter les points pour l'agent Turien, décryptage n'est pas, à mon avis, le plus important, c'est d'aller chercher les fusils de précision, parce que lui, il est diabolique en fusil de précision, et les armures par tactique aussi. Voilà, on va monter ça. Là, il n'y a rien à monter, moi non plus. Tout va bien. Par contre, on va regarder en termes d'inventaire. Je crois que j'ai pas beaucoup d'armes à lui passer. Non, j'ai pas grand chose. Et des armures, c'est des armures humaines. Donc, on va pouvoir monter éventuellement que des modes. Si j'ai des modes, j'ai pas de modes. Bon, c'est pas grave. Il sera stock pour commencer. Ah, pardon, par où passer ? Et comment tu sais ça? Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'Ascension. C'est vrai? Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard! Je m'appelle Emily Wong. Mmh. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Et pourquoi moi? Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. D'après votre dossier, vous êtes le seul survivant d'Akuzé. Si quelqu'un peut se frotter aux pires crapules de la Citadelle, c'est bien vous. Vous êtes bien renseigné. Comment savez-vous sur quoi j'enquête? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Shepard. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Ça peut être drôle. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos, je vous les transmets. Merci, commandante. Vous ne le regretterez pas. Allons. Continuons à chercher l'accès au SSC. On va pas l'air d'être par ici. Que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Turien d'un autre. Pas beaucoup d'intérêt non plus. C'était ici. Bon, vous allez... C'est assez drôle. Waouh. Non mais je rêve pas, c'est vous? C'est qui lui? Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Ouais, ça mange pas de pain. Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Bon, c'est drôle. Ambassade. Voilà. Le SSC, c'est en bas, je crois. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Ça ira, merci, Evina. Je pense qu'on aura accès en passant par là. Voilà.
Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. Ouais. Je crois que c'est lui. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Eh ben, bien le mieux vaut. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Alors, eh ben, on va garder Ashley, et on va prendre Vrex maintenant. Voilà. Et allons à l'antre de Coras. Avant. Voilà. Rex, 10 points. Foudre Krogan, ça lui donne quand même pas mal de points de régénération. Et. Voilà. On a mis le maximum sur ses armes. Allons à l'entrée de Coras. J'ai très envie de rencontrer ce Fist. Sache où est cette carrienne. C'est elle qui détient notre clé pour attaquer sa reine. On dirait que c'est fermé. On dirait que c'est fermé. Fist, oui. Sait qu'on arrive. J'ai une armure sur ce coup-là. Hein. Ils en viennent partout. Voilà. En tirant là-dessus, ça les a irradiés. Ils en viennent partout. Voilà, bien joué. Très bien. Alors... Stop ! On bouge plus ! C'est juste des ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire !
C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils, de toute façon. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Ouais. Tuer n'est pas la réponse à tout. Quelque chose à fouiller là-dedans ? Ouais, j'ai pas la bonne compétence. C'était fatal. Je crois que... Qu'est-ce qui... Ouais. Quelle bande d'incapables ! Oh, là, des tourelles. Du tirer dessus. Il en vient partout. Hold the line. Acheté. Go, go, go. Hold the line. Il en vient partout. Attendez! Ne me tuez pas! Je me rends! Où est la carienne? Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez! Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerai une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Saren qui l'attendront. Dis-moi où ce rendez-vous doit avoir lieu avant que je te fasse sauter la tête. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Lâche ton flingue, Krogan. Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. Si vous recommencez un truc comme ça... C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non ? La carienne va y passer si on ne s'active pas un peu. Pas faux. Par contre, on n'a pas le... Ouais, c'est ballot. C'est quoi ça? Allons-y. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous attend encore. On se dépêche. Go, go, go! Allez, vous le tuez. Je m'occupe du reste. On essaie de voir s'il y en a d'autres. Je crois pas. Allez, faut se dépêcher. Où que ce soit la carienne, il faut la trouver. Allez, ces portes sont lentes. C'est d'ici. Ben voilà. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé.
Eh, hey, pas mal. Voilà. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessé ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Saren est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Le bureau de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. C'est parti. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs ? Un assaut massif dans l'antre de Koras ? Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Cette carienne peut nous aider à démasquer sa reine. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé, et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Geth. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geth. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geth, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Sa reine menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. J'adore l'idée. Vous pouvez... Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci.
Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Ouais, on va prendre Tali et puis... Je sais pas. Garus. Non. Ashley. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. La visite, je conseille, promet d'être intéressante.